Bon, aujourd'hui j'ai décidé de fêter l'automne et que j'allais faire des trucs en rapport avec l'automne et qui allaient me mettre dans ce nouveau mood. Donc déjà j'ai commencé hier soir en faisant un truc assez important pour se mettre dans le mood d'automne selon moi. C'est que j'ai remplacé mon dressing d'été en dressing d'hiver. Du coup j'ai trop hâte de me ressaper et de ressortir mes vêtements de la saison dernière. J'ai l'impression d'avoir des nouveaux vêtements quand c'est comme ça. Et j'ai des nouveaux vêtements aussi tout court que je vous montrerai. Je reviens de une semaine à l'île de Ré. Et à l'île de Ré il y a plein de petites boutiques concept store que j'adore. Et du coup je me suis prise des nouvelles petites pièces. Et c'est assez rare que je fasse du shopping au final. Donc je vous montrerai ce que je me suis pris. Les pièces sont trop sympas. Mais ce n'est pas la seule chose pour cette journée automne. En gros hier soir je me suis posée sur quel programme pourrait être cool. Et du coup je me suis mis quelques petits trucs que j'avais envie de faire. Numéro 1, très cliché mais on aime ça. Je vais aller à Starbucks pour deux raisons. Me prendre un petit truc à boire. Et surtout à l'appartement on boit que avec des gourdes. Enfin pas des gourdes mais des gobelets avec des pailles dedans. Et il y a deux jours j'en ai cassé un. Donc, j'ai le droit d'en acheter un. Donc j'irai à Starbucks pour me reprendre un gobelet comme ça. Je vais faire un petit essayage de nouvelles tenues sympas avec en plus les nouvelles pièces que j'ai. Il faut que j'aille faire les courses, il faut que je fasse des petites recettes d'automne. Et d'ailleurs j'ai une bête d'idée concernant les recettes d'automne. Je vais vous montrer mais je pense que ça va vous plaire mon histoire de carnet de recettes. Enfin bref, il y a plein de petits trucs que j'ai envie de faire aujourd'hui. Le mood ça va être chill même si je ferai un petit peu de boulot quand même à droite à gauche. Mais c'est parti pour une journée très très automne. Et ça commence en allant à la douche. Je crois que je vais mettre un petit son sur le visage pendant que je prends ma douche. Oh d'ailleurs, j'ai une astuce. Et en gros, moi je me lave les cheveux tous les 4-6 jours, on va dire, parce que ils sont longs. Trop les laver, c'est les abîmer. Et donc moi, mon conseil, c'est le shampoing sec. Perso, j'utilise les Baptiste, je trouve qu'ils sont bien. Et en fait, je vais commencer à en mettre, pas quand ils sont sales, mais quand ils vont devenir sales. Donc quand ils sont encore propres, je mets déjà du shampoing sec. Et du coup, ça me permet de garder mes cheveux propres continuellement. Je sais pas comment expliquer. Genre là, je pense que c'est peut-être le dernier jour où je peux encore le faire et qu'il soit bon en racine. Et du coup, en général, je vais pas mettre le shampoing sec le matin. Je vais le mettre la veille au soir. Du coup, hier soir, j'ai mis du shampoing sec. J'ai mis un peu d'hydratant sur mes pointes. J'ai mis une huile, la maroconeugle. Et du coup, ça me permet de bien faire tenir dans la durée mes shampoings. Voilà. C'est la petite technique. Le shampoing sec est mon meilleur ami depuis toujours. Je me suis acheté le nouveau bracelet aussi à l'île de Ré. Alors en plus ils ont une petite histoire. Du coup c'est 4 joncs. C'est les 4 joncs de ma famille entre guillemets. Du coup il y a un gros, un moyen on va dire. Donc mon père, ma mère et deux plus fins, mon frère et moi. Et il y en a deux qui ont été offerts par mes parents. Un qui a été offert par mon frère et un qui m'a été, enfin que je me suis offert toute seule. Donc voilà pour l'histoire de ces petits bracelets qui représentent du coup à mes yeux la famille. Parce que j'avais de moins en moins de signification à mes bijoux.
et ça m'embêtait, donc j'ai décidé de changer ça. Si jamais, je me souviens plus du nom de la boutique, mais je me souviens du nom de la marque, ce qui est peut-être un peu plus intéressant. C'est la marque Chouski, un chou comme un chou et ski comme le ski. Et j'ai vu qu'ils étaient vendus sur Etsy, si jamais. Et c'est des bracelets en laiton, je sais pas comment ils tiennent, etc. Ça ne fait que même pas une semaine que je les ai. Mais je les trouve mignons. Je vais me mettre en tenue pour sortir. Je sais pas encore ce que je vais faire dehors, mais je vais faire un tour dehors. Histoire juste d'être des fois sortie ce matin. Peut-être que j'en profiterai pour faire mes courses en même temps. Et je pense que j'irai à Monoprix. Parce que avant, j'habitais à côté du Monoprix. Et j'adorais faire mes courses à Monoprix. Même si ça coûte plus cher. J'adore faire mes courses à Monoprix. Je trouve ça très agréable en mode citadin. Donc vu que j'ai la flemme de prendre ma voiture, je pense que je vais aller jusqu'à Monoprix avec mon chariot de course. Je sais pas si je vais le faire tout de suite. Il est quelle heure en fait là? 10h53. À voir. Non, je vais pas faire ça. En fait, je vais déjà faire un petit tour de 10-15 minutes, juste histoire de me mettre en jambe pour la journée. Pas besoin de toujours prévoir du faire beaucoup de choses d'un coup. En même temps, je vais réfléchir à qu'est-ce qu'il faut que j'envoie comme mail, etc. Enfin, je vais laisser un peu tourner ma tête sur mes problématiques du jour, on va dire. Et du coup, quand je rentre, je fais mon petit taf, on va dire. Et ensuite, j'irai direction faire les courses. Mais au moins, ça me fera un premier temps plus boulot et un deuxième temps plus perso. Et au moins, je réfléchirai en même temps, même si je sais déjà les recettes que je peux faire. Il faut juste que je fasse ma liste de courses. Et en petite veste du coup, pareil, ça vient de l'île de Ré, toujours la même boutique, la suite. Trop minouche les petites vestes comme ça. Et par dessus je vais mettre une banane. En gros c'est un peu la pièce un peu niche qu'ils ont là-bas. Ils ont cette banane là en 52 couleurs et cette truc là en 182 000 motifs, couleurs, matières, etc. Moi j'ai pris tout simple, mais du coup je trouve que c'est pas si mal sur un petit look. Je sais pas si on arrive bien à voir. Oui. Il veut venir faire une balade avec moi, c'est ça? Bon, du coup, je vais juste aller fumer ma clope dehors en marchant. Ça me semble être un bon objectif. Ensuite, je rentre, je prépare ma liste de courses. J'envoie 2-3 petits mails si besoin. Et puis voilà, ça sera déjà un bon début de journée. En plus, ça va, il fait encore un petit peu frais. Au final, il fait quand même bon aujourd'hui. Flûte. Je pourrais faire froid, merde. J'ai changé mon dressing de toute manière. Coucou les gatounes. Allez, zou, zou, zou. Hey, coucou. Coucou. Et ben c'était très agréable. Je suis sortie 20 minutes. Oui bien. Du coup, là j'ai quelques textos pro à envoyer. Textos tout court et marquer un peu les to-do. Je me refais un petit caf, je prépare ma liste de courses et ensuite je vais faire les courses. Mais j'avais déjà commencé un petit peu hier, mais il y a un repas en plus que je voulais faire. J'ai fait ma liste de courses. Hop, je vais aller chercher mon chariot parce que ça va être lourd. Regardez comment il tue sa mère, mon chariot.
C'est un mono. Je l'utilise pas très souvent en vrai. Bon, petit haul course. Alors, du coup j'ai pris quelques basiques de la cuisine, c'est-à-dire la crème fraîche. J'ai pris du chèvre frais pour un risotto, mozzarella, romarin c'est pour la recette de ce midi, un beau chou-fleur, des épinards frais, des champignons frais également. J'ai pris de la mâche, de l'ail, du parmesan pour me remettre à faire des risottos. Des échalotes pour ce midi, du pain, un pour ce midi, un que je vais congeler, des œufs, d'ailleurs j'ai même pas vérifié si c'était pas cassé, des blancs de poireaux, des pommes pour peut-être une tarte aux pommes, des courgettes, en plus c'est la saison, du sucre blanc, bord, de la crème de coco, ça c'est super pour les soupes, pour remplacer soit la crème fraîche, soit le kiri, etc. Du coup, cubeur comme je disais, du lait de coco également. Et pour terminer, pas de feuilleté, pas de brisé, une pour un gâteau, une pour une quiche. Alors, du coup, j'avais une idée derrière la tête de tout ça et de ces recettes d'automne. C'est que je veux faire un carnet de cuisine avec toutes mes recettes écrites dedans. Parce que par exemple, je retourne tout le temps à la recette de crêpes de ma mère dans mon téléphone et je trouve ça chiant. Je préparais avoir un carnet avec mes recettes. Donc, c'est ce qui va commencer aujourd'hui. Pour ce faire, petit carnet mignon que j'avais reçu de la part de Monoprix d'ailleurs. Dans ce petit carnet là, je vais écrire en gros donc les ingrédients, la recette. Et le petit twist que je vais faire et qui va rendre ce carnet intéressant, sympathique à regarder tout ça, c'est que à la fin, quand j'aurai terminé ma recette, donc là je vais commencer avec le truc de chou-fleur, je le prendrai en photo avec mon Polaroid. Donc je vais recopier la recette tout de suite. Il est où mon beau crayon? Mon crayon préféré. Crayon préféré, ever and ever, les V7 Technopointe de chez Pilote. Carnet de recettes. Un chou-fleur. Yeah. Hop. Et du coup, je mettrai la petite photo de mon plat juste ici. J'ai tous mes ingrédients. L'huile d'olive. Et avant de me lancer, je vais vider le lave-vaisselle. J'espère que ce meuble de cuisine est bien fixé.
Alors, ready? Bé, on a de la bébête ici. Merde, l'huile d'olive. Bon, c'est au four, le poireau est coupé, je ferai tout revenir dans le cookéo. Et après il n'y aura plus qu'à mixer et faire des toasts au fromage, ce qui peut être très compliqué. Donc bah là il est quand même 14h30, ce qui fait que je ne mangerai pas avant 15h15, je pense, facile. C'est pas très grave, je vais appeler ma mère. Allô? Allô Marmounette, ça va? Gros bisous même. Je t'aime. Ciao. Oh, c'est bon la vache. Hyper bon, beaucoup de goût. J'ai peut-être un peu de crème fraîche encore. Un peu des épaissir tout ça pour que ce soit plus velouté. Mais ouh, qu'est-ce que c'est bon. Le truc pour bien réussir des croques, c'est de mettre du beurre sur les faces extérieures. C'est ça qui va apporter le croquing. Ça change tout. Oh là là, trop beau, je suis trop fière. Je pense que ça sera aussi bon que ça en a l'air quand je l'ai goûté. Je reviens un peu à mon tout mélange, je pense à garder le côté un peu voilà déco, mixer le tout avec, c'est plutôt 25 cl d'eau je pense, plus 4, 5, 3, 2, 1. Alors essayons avec les petits trucs de fromage. Oh la vache. De loin, un des meilleurs repas que j'ai fait. Et maintenant, ça pourrait être dans un resto. Hein. Ah, c'est extrêmement bon, extrêmement bon. Oh. Ah, je vous jure, faites-le. Honnêtement, même si on n'aime pas les légumes, c'est impossible qu'on n'aime pas. Je vous dois des excuses pour le cours pour journal. Voilà,
C'est ça le problème avec cette génération. Ils se croient tout permis. Je vais fumer en deux une clope. Il m'en reste un petit peu, mais je crois que je cale. Et je pense que c'est en plus pas assez chaud. Donc mangez-le bien chaud et ne mettez pas 15 ans et demi à le manger comme moi. Il n'en demeure que c'est excellent. Et en plus, il en reste. Donc j'ai trop hâte que Seb goûte ce soir. Je fume une clope rapide parce que dans 4 minutes, j'ai une visio avec mon agent. Et après le call avec mon agent, j'irai à Starbucks. Du coup, aller me chercher une nouvelle cup et une boisson dedans. Que j'irai siffler dans le canapé lit là avec le dernier épisode de Gossip Girl parce que ça, c'est le numéro 9. Et il me reste 9 minutes de l'avant-dernier pour mater the dernier épisode sur le rétroprojecteur. Ah, j'ai trop contente de mon plan. En tout cas, je suis trop fière. Bon, j'ai laissé un peu le brun, mais c'est pas grave. Je te le vois après. Non, franchement, trop cool. Ouais, ça a fait du bien. J'ai full déconnecté au final. Je prends ça, j'ai appris pour rien. Puis il n'y avait rien d'urgent. Donc en vrai, un truc, c'est genre, c'est un fluxio avocat. Genre, en vrai, je me dis maintenant qu'on le fait. Genre là, c'est du lifting. Donc voilà, moi, je me dis. Bon. Call terminé qui a duré 1h40. On ne sait pas faire court avec Maddy. Alors. Du coup, dans ma tout doux. Je m'étais mise. Allez chercher une nouvelle cup Starbucks. Ça j'y vais. Et c'est une nouvelle tenue. Après je vais vous montrer quand même du coup les petites pièces que j'ai mes nouveaux fringues. Je vous ferai un petit haul vêtements. Et je vous montrerai les 2-3 basiques que je trouve vraiment cool à avoir. Forcément pour l'hiver, l'automne, moi mes fringues je les mets en toute saison. Faire une recette d'automne, oui. Faire une tarte aux pommes, on n'y est pas encore. Peut-être ce soir, mais je pense que j'aurais plus envie de crêpes. Petit film cool ce soir. Faire mon carnet de recettes avec des polaroïdes. C'est démarré d'ailleurs. Du coup, la première recette. Ça ressemble à ça. Bon, je vous conseille pas forcément d'essayer de relire, c'est un peu du charabia. Mais moi j'arrive à me comprendre. Enfin bref, allez, mets les chaussures. Je perds pas la motivation. J'ai jamais de batterie sur ma montre, ça m'énerve. J'ai jamais de batterie, j'ai jamais passé souvent chargé. Bonjour mademoiselle, on se réveille? Il m'en reste pas mal, hein, mon velouté de chou-fleur rôti. Yeah. Bon, la cup elle était à 25 euros, nom de Dieu! Alors certes elle était en inox mais j'en demande pas autant. Du coup j'ai un autre Starbucks qui est rue de Béthune. Voir s'ils ont des petites cups en plastoc. C'est moins lourd mais c'est plus ce que je veux. En fait je suis rarement autant sortie sur une journée depuis un an qu'aujourd'hui je crois. Regardez ce que j'ai trouvé. Ça. Et ça. Et d'ailleurs, quand on achète des cups comme ça, on a une boisson offerte. Donc du coup, deux. J'ai pas su choisir. Je savais que j'allais regretter autant l'une que l'autre. Et normalement, de base, j'avais trois cups ici. Une toujours dans la chambre et deux qui vivent. Du coup, j'ai acheté une avec des petites oreilles de chat. Une deuxième qui est phosphorescente dans la nuit. Glow in the dark. Je trouvais ça cool. Et voilà. Du coup, j'ai un réfraîchat en plus. Bref, je range tout ça et ensuite je fais le petit haul de fringues. Ensuite, je termine par une tenue jogging et ensuite Gossip Girl. Ça va, ma fifi?
Allez, à la chambre. Alors, ce dressing. Qu'est-ce que j'entends par mon dressing, etc., ce que je porte et tout. En gros, faut vous dire que j'ai 70% de mes fringues que je vais pouvoir porter en toute saison. Par exemple, ce pull-là, c'est pas un gros pull d'hiver, c'est un pull que je peux porter aussi le soir en été avec un petit short, une petite ceinture, etc. Ce pantalon-là, c'est un pantalon ample plissé qui fonctionne aussi très bien pour une saisonnalité été avec une petite paire de talons, un petit crop top et tout. Pour moi, ça, c'est vraiment des basiques globales. J'habite en France, donc c'est un climat tempéré, donc ça marche aussi pour l'été, ça marche aussi pour l'hiver, bref. Bon, je vais vous montrer un peu des pièces comme ça que j'aime bien. Alors en robe, s'il me fallait en montrer que deux robes que j'adore, très hiver par contre. Ouais. Celle-ci qui est une robe Kukai et du coup une deuxième robe extraordinaire. Ça c'est de la marque Sydoux, S-Y-D-O-U-X, qui est une petite créatrice dont j'ai découvert la marque à son lancement. Mais en vrai, là, on n'est pas sur des basiques, même si je trouve que c'est pas des robes non plus trop compliquées à sortir. Un manteau, pour l'hiver, c'est un grand comme ça. C'est écrit la marque Yuka, comme pour comparer la bouffe. C'est une taille 40, il est bien surtaillé sur moi. Maintenant, ça va faire 3 ans que je l'ai, je le saigne toutes les saisons. Donc pour moi, ça c'est vraiment le manteau parfait. Ça fonctionne avec toutes les tenues. Celui-ci, je l'ai énormément porté. Je l'ai eu la saison dernière, mais je pense que ça sera pareil cette saison. Un comme ça, gris clair, ça change en plus, et je trouve que ça me va bien. J'adore. C'est un drap de laine. Et celui-ci, c'est de la marque American Vintage. Je vais vous montrer 3 pulls que j'adore. Après, ça va être des pièces simples. Hein. Ça n'attendait pas à des trucs de foufou. Vous voyez mon style, juste tout un billet pareil. Ce pull-là que j'avais acheté chez Uniqlo, qui est un pull col cheminée. Enfin bref, il rend comme ça et je trouve qu'il est... Je sais pas, il fait hyper chic, il fait très habillé, en même temps pas trop, décontracte, donc j'aime bien. Ça, c'est pas forcément mon plus beau pull, mais c'est sûrement celui que je porte le plus. Un immense pull, il est comme ça, bien large, bien comme il faut, et pareil, il peut hyper bien se looker sur tout type de tenue, soit par exemple avec du fut comme ça où on a un joli tombé, soit sur une petite jupe assez courte où on a de la longueur et ça vient rajouter du volume. Bref, j'adore. Et celui-ci du coup, c'est la marque Villa, pareil que celui que je porte aujourd'hui, mais là c'est une marinière qui est bleue, et j'avoue qu'en petit look la marinière ça passe bien, ça fait un peu chicot ça. Bref, ces deux petites marinières, je les adore. Si jamais du coup elles viennent du magasin Lille de Riz qui s'appelle La Suite, et si jamais vous voulez les commander, elle a pas de site, mais vous pouvez lui envoyer un DM, elle vous dira la marche à suivre. Pareil de chez elle aussi, de chez elle également, c'est celui-là. Il est à 50€, il est super. Deuxième tiroir, on va avoir, on va dire, les basiques en quelque sorte. T-shirt manche longue noire, une marinière manche courte, t-shirt manche longue pareil pour l'hiver en beige, en noir. Mon top soirée un peu, c'est pareil, un top qui vient de la marque Sydoux. Ce top là, il est hyper sympa, bien crop, et du coup avec un petit pantalon mignon ou une petite jupe, c'est très looké, c'est très joli. Mais du coup là-bas, j'ai trouvé les tops de mes rêves. C'est des petits débardeurs comme ça, un peu en maille, je sais pas si on voit, mais c'est pailleté. Il coûtait 25 balles, ça donne ça, je trouve ça hyper mims. Du coup, un petit beige comme ça, un beige doré plutôt, je sais pas si on voit aussi bien les paillettes, pareil il était à 25, et également en bleu. Trop contente d'avoir trouvé cette petite pièce là, je pense que le truc le plus original que j'ai dans ma garde-robe de ce fait, ce pull rose Balzac, ou ce pull camionneur qui est très chic d'ailleurs, hein, parce qu'il a un énorme col, qui est de la marque Sunco. Et du coup, concernant les pantalons, alors là c'est bon, je sais ce qui me plaît, je sais ce que je porte et je sais ce que je ne porte plus. En tout cas, ce que j'adore, c'est les pantalons larges, où je suis à l'aise dedans et qui ressemblent le plus possible à un jogging. Ce qui fait que du coup, celui-là de pantalon, je l'ai pris en 2 couleurs, enfin 3, en écru et en gris. Ce qui fait que j'ai vraiment 3 basiques à associer comme je veux. Mais voilà, du coup, pour mes pièces... Ah, je vous ai pas montré les joggings, mais finalement c'est peut-être aussi important. Ce jogging là et ce pull là, il est vraiment trop bien et hyper satisfaite de la qualité. Le jogging est à 20€, le pull là 20€ aussi je crois, enfin je vous mettrai les liens en barre d'informations. Ces joggings là en fluide et un peu côtelé, qui viennent de la marque Undies en homeware, ils sont vraiment zinzin. Les hauts, donc tout ce qui est... des fois ils font même des cols roulés et tout, leurs cols roulés sont incroyables, mais c'est de la super bonne qualité en vrai. Je vais me poser dans le canapé. Je vais voir quand est-ce que mon mec rentre, parce qu'il y a l'amour est dans le pré. C'est pas ce soir, c'était hier soir, mais il y a le nouvel épisode de hier soir qui est sorti. C'est ça aussi l'automne, non? Et puis j'ai mon épisode de Gossip Girl.
C'est parti pour le programme chill de soir. De toute façon, je pense que ce soir, je ferai une soupe. J'ai du pain frais. Il reste encore un peu de velouté, de rôti, de chou-fleur. C'est donc le moment de s'installer bien comme il faut. Alors, pour ce faire, il nous faut un iPad. J'avoue que là, mon rétroprojecteur, ça va faire 4-5 ans que j'ai. L'ampoule, elle marche plus bien. Donc, même quand il fait noir dans l'appartement, si la scène se passe dans la nuit, j'ai 60% des informations. Donc je crois que je vais encore patienter jusqu'à Noël. Au moins ça fera un cadeau de Noël cool. Je demanderai à ma famille de m'offrir un bon rétro. Alors, iPad is good. Le plaid le plus cosy du monde. Voilà qui est mieux. Allez, c'est parti. Nous réinventer, se réinventer, c'est pour les starlets qui vivent en caravane et veulent devenir toi. On devrait travailler ensemble plus souvent. J'en ai un peu assez de materner des artistes. Il y a un créneau à exploiter dans ma location d'arnaqueuse. Vous avez vu Chuck ? C'est super ça. Et si on assemble toutes les pièces du puzzle Gossip Girl, t'auras l'histoire idéale pour redémarrer. Comment ça va, maman? Tu vois ce que je vois? Oh, regarde! Quoi? Attends, ferme tes yeux. Ouvre tes yeux. Waouh! On a racheté deux? On a racheté deux. Une Alba, des oreilles de chat. Et elle, elle est fausse aux raisons dans la vie. C'est ce que je suis en train de lire avec Glow in the Dark. Genre, regarde aux toilettes. Vas-y, fais voir. Mais ça, c'est trop bien pour la nuit dans la chambre. T'as vu? Eh ben c'est trop bien la nuit. Alors que en juin t'avais des taux à 2,5-3%. Elle aime bien goûter. Oui, t'avais des taux à 3%. C'est croqué velouté. Ouais, velouté du coup de chou-fleur. Donc j'ai fait gratiner. Oh, ça a du goût hein. T'as vu? Ah, ça a du goût. Surprenant. C'est trop bon maintenant. Bah ouais, franchement je trouve que ça tue. Voilà.